dernier vlog aujourd'hui. Donc vous avez vu ce matin, bon, j'ai fait plein de trucs, j'ai fini les paquets de Noël, etc. Là je vais aller me maquiller, me préparer, m'habiller, etc. pour ce soir. Et je ne vous ai pas fait encore l'ouverture du calendrier du jour parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est le fameux calendrier de chez YesStyl et ils m'ont proposé, alors c'est pas du tout sponsorisé, ils m'ont proposé d'en garder un pour vous et de vous en faire gagner un. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer, je vous mets toutes les conditions dans la barre d'infos, mais je vais vous les dire aussi à l'oral aujourd'hui. Donc il faut avoir Instagram, je suis désolée, il faut avoir YouTube et Instagram. Il faut suivre ma chaîne YouTube bien sûr, vous abonner au compte YesStyl et au mien sur Instagram. Et ensuite vous me laissez juste un commentaire sous cette vidéo en me disant que vous participez et vous me donnez votre nom sur Instagram pour que je puisse vérifier si vous êtes bien abonné à YesStyl et à mon compte à moi. Pas besoin d'être en profil public, vous pouvez avoir un profil privé, ça marche aussi. Et voilà, donc toutes les conditions sont résumées en barre d'infos. Je vous laisse tout de suite avec l'ouverture donc du calendrier YesStyl, comme ça vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Si jamais vous voulez pas voir, vous pouvez passer un petit moment et ensuite bah écoutez, je vais vous montrer un truc après l'ouverture des cadeaux. C'est pas l'ouverture des cadeaux, pardon, c'est l'ouverture du calendrier, mais c'est tout comme des cadeaux. J'avais déjà pré-filmé hein, en fait cette ouverture des cadeaux, c'est pour ça que vous allez retrouver le décor de chez moi à Paris. C'est tout à fait normal. Allez, je vous laisse. Ça y est, on arrive au dernier vlog et donc le dernier calendrier. J'ai gardé celui de YesStyl pour la fin. C'est un des meilleurs calendriers de l'avant du marché, enfin en tout cas tous les ans. J'ai pas regardé hein, cette année, on va l'ouvrir ensemble. Donc il est vraiment comme ça, assez grand. En général, il y a quasiment que du full size à l'intérieur. C'est vraiment un calendrier qui part super vite, qui est tout le temps en rupture. Et on a donc des tiroirs comme ça. Il est lourd hein. Bon, il a pris cher, il est un peu gabossé parce que c'était le dernier de la... C'était celui qui était tout dessous, les autres ils ont tous appuyé dessus. Mais vous voyez, quand on tire les tiroirs, c'est des cases au secours qui sont pointillées comme ça. Et donc elles sont numérotées. Et donc premier tiroir, on a jusqu'au 6 et j'imagine ainsi de suite. Voilà tous les produits, comme je vous ai dit, c'est que des full size. C'est vraiment, il est génial ce calendrier. Il y a vraiment de tout, il y a plein de marques, il y a des masques en tissu, il y a des produits pour les yeux, il y a du maquillage, il y a des poudres, il y a des palettes. Franchement, il y a de tout. Et ce sont que des marques coréennes, hein, du coup, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, ça, je pense que je vais peut-être tester ça. Ça s'impose. Le fixateur, là, pour le maquillage, je pense que je vais le tester aussi parce que les produits coréens sont vraiment hyper performants. Et voilà, j'ai envie d'essayer des paillettes. Franchement, il y a plein de trucs. Regardez, c'est un des calendriers qui part le plus vite, comme le Cult Beauty, que je n'arrive jamais à avoir parce que les précommandes c'est toujours pendant ma série Halloween et franchement j'ai autre chose à penser et j'arrive jamais à les avoir, donc voilà. Mais je sais que ce sont des calendriers qui sont hyper avantageux. Ça, ce sont des vrais calendriers de l'avant, je trouve, qui sont vraiment avantageux. Parce que, bon, après, il se peut qu'il y ait des produits qui intéressent pas. Forcément, ce sont des calendriers qui sont quand même plus chers que d'autres calendriers où il y a que des miniatures par exemple, mais t'es pas volé. C'est à dire que vraiment, en termes de prix, si tu avais acheté chaque produit séparément ou dans le calendrier, c'est quand même hyper avantageux. Et franchement, j'adore. Voilà. Donc voilà pour le calendrier. Si jamais vous voulez le remporter, n'hésitez pas à regarder les conditions pour participer au concours. Dans la barre d'infos, je vous ai mis aussi la date de fin, mais vous avez en gros une semaine pour participer. Donc, ce matin, j'ai reçu chez mes parents, ici, un cadeau de la part de mon agence. Donc je vais vous montrer ce que c'est trop beau. Donc il y a un petit sac Jacquemus, mon dieu mais c'est minuscule, il est trop beau en rose, j'adore, c'est trop beau. Il y a aussi cette petite cup de chez Saint Laurent, elle est super lourde, franchement c'est vraiment très lourd. Et le capuchon il est en caoutchouc ici, donc c'est facile à enlever et à remettre je trouve. Et des petits macarons de chez Fauchon, j'adore, c'est trop beau, merci beaucoup. Allez, je vais me maquiller, je pense que je vais pas avoir le temps de faire un maquillage trop compliqué parce que ma sœur est venue manger à midi et du coup après moi ça m'a retardé dans les cadeaux et tout. Enfin non, je suis lente pour faire les cadeaux et j'en ai pas beaucoup cette année à emballer, mais je suis grave lente. Donc je vais m'habiller, je vais me maquiller et je vous montre ce que ça donne. Bon voilà, j'ai fini le maquillage, alors ça fait pas du tout un truc Noël, je sais pas, je me suis laissée emporter par les couleurs.
Bon, les cheveux, j'ai juste lissé. Je vais m'habiller, enfin je vais mettre mon haut, parce que là, je n'ai pas mon haut. Bon, je suis prête, j'ai mis mon manteau. Attendez, putain, la lumière, une horreur. J'ai mis un haut comme ça. Oh, franchement, je suis un peu habillée comme l'as de pique, j'avoue, j'ai même pas pris de bijoux chez moi et tout. Qui est comme ça, vous verrez rien du tout, mais j'ai pas de miroir en pied, je suis désolée. J'ai mis un pantalon en simili-cuir. Et voilà, très simple, et de toute façon, je vais arriver chez ma grand-mère, je vais me mettre en robe de chambre. Oh, regardez, Penelo, elle est déjà dans la voiture, c'est bien mon bébé. Elle a l'habitude, enfin, j'ai donné l'habitude, pardon, de se mettre au pied comme ça. On lui a mis un drap ici, mais elle y va pas, elle est trop mignonne. Bonjour. Le moment que vous attendiez tous de voir la déco de cette année. C'est trop beau. Ah, ça te plaît? Ah, il y a déjà des cadeaux. Alors, la crèche. Ça te plaît? Alors, c'est trop beau. Il faut que tu allumes un truc? Ah, oui. Ah, vas-y. Il y a combien de nouveaux? Il y a des marches. Tous les années, tous les ans, il y a des nouveaux. Vas-y, montre-moi. Alors, il y a le petit chariot. Là. Ah oui. Voilà, le chariot. Les manadiers avec le taureau. Ah oui, oh, il est beau. Il est beau, hein? Oui. Alors, ensuite, tu as là le petit garçon. Oui. Ceux qui montent à Cavaillou. Ah oui. Le petit marin. Oui. Et la petite fille avec le cerceau là-haut. Non, mais plus. Ah oui, elle est belle, la blanche. La blanche. Ça te va bien. Voilà. Ensuite, tu as la Corse. Celle-là. Alors ça va? Oui. Ouais. Tu as celle-là. Oui. Tu as celle-là. Ah oui, avec son drap. Avec le drap. Et tu as la chapelière. Ça, c'est pas fou dehors. Oui, je sais. Ah oui, elle est belle. Elle est là-bas. Oui, je la vois. Waouh, elle est belle. Penelo, ça t'intéresse, hein? C'est trop beau. Mais regardez, elle avait oublié de me montrer la plus importante. Celle-ci. Elle monte son cul. Elle est trop belle. C'est ma préférée. Ah, il est où celui qui fait caca? Et là-bas, derrière, il y a mon santon préféré. Le Kagané, il est en train de chier, mais on le voit pas. C'est le gros fakis. Et regardez, il y a ça aussi, la serre. Elle est trop belle, la serre, elle est illuminée à l'intérieur, il y a un petit chat là, elle est trop trop belle. Je vous montre une vue d'ensemble. Bon là, il y a l'escabeau parce que c'était pour Ambre, pour qu'elle voit. Elle est trop belle. Donc je vais vous montrer vite fait les cadeaux que j'ai eu, mais vraiment je suis super fatiguée. Alors déjà je vois il y a un truc que j'ai oublié de prendre, mais je vais vous montrer juste en face de moi, j'ai trop la flemme de me lever. J'ai reçu ces deux magnifiques bougies en forme de fuck. Et je vais vous montrer les cadeaux de Penelo qui n'est jamais très loin. Elle est là à mes pieds, elle est en train de se lécher les pieds. Bref, donc derrière moi il y a tous les cadeaux de Ambre pour demain matin. Elle a eu un petit sanglier en peluche comme ça, et elle a eu un petit zèbre comme ça, et regardez celui-là, ils sont tout baveux, elle les a kiffés. Celui-ci il est génial et il ne queen pas, j'aime trop, elle le kiffe trop. Ensuite j'ai eu un pull, poussez-vous mon cornet, merci. Un pull donc comme ceci, une robe pull qui est comme ça, donc elle est col roulé. Je parle pas fort parce que tout le monde est allé se coucher. Et voilà, bon bref, c'est une robe pull quoi. Ensuite, Lera, donc Hocus et Pocus ont eu. Comme ça, en léopard, qui ira très bien avec leur cage très sauvage. Ensuite, ils ont eu un truc magnifique. Deux petits bandanas. Il faut absolument que je leur mette. Et ça, regardez-moi ça. Une voiture. Ils vont être absolument merveilleux là-dedans avec leurs petits bandanas qui volent au vent. Ensuite, j'ai eu deux écharpes. Donc j'ai une écharpe comme ça, jaune à carreaux. Je déplie pas hein, parce que vous voyez le motif, c'est une écharpe quoi. Et j'en ai eu une autre aussi trop belle en zèbre comme ça avec des petites franges. Ensuite j'ai eu ce somptueux sweat. Supernatural d'ailleurs, j'ai toujours pas regardé la dernière saison de Supernatural. Le premier qui me spoil, je le bloque et je le signale. Ensuite, j'ai eu deux ceintures, je sais plus ce que c'est la marque. Je vous redirai parce que j'avais fait une liste en fait et du coup j'avais mis sur ma liste, c'est une marque anglaise de mémoire, donc c'est fabriqué en Angleterre. J'avais vu cette marque, enfin cette ceinture sur Linda Hallberg.
Et du coup, j'étais allée voir le site, je connaissais pas du tout. Et j'ai adoré. Et il y avait cette autre ceinture aussi sur le site que je trouvais trop belle. Donc voilà. Ensuite, donc, c'est fabriqué en Angleterre. Elles sont en cuir. Et j'ai eu aussi un ensemble, ça c'est Bershka je crois. J'avais vu depuis un moment. Donc une chemise en jean comme ça qui est assez longue. Enfin ça fait même un peu veste en jean. Et un jean pareil qui est bicolore. Ah non c'est pas Bershka, c'est Monki, je suis vraiment conne. C'est de chez Monki. Hop, qui est donc noir et blanc aussi. Ensuite j'ai eu un chapeau. Je vais vous le montrer vite fait. Donc un chapeau jaune. C'était l'année du jaune. Un sac de chez Le Tanneur. Que je voulais trop en jaune comme ça. J'avais découvert ces sacs chez Sabrina Cesari quand elle avait fait sa collaboration avec Le Tanneur. Elle a fait ce modèle là, c'est le Emily Petit. Elle avait fait une édition limitée en beige et en fait je le mets souvent ce sac. Il est vraiment hyper pratique, il est vraiment très beau, il y a plusieurs couleurs. Il y avait un vert aussi que je voulais trop, qui est en rupture maintenant, mais ça fait tellement longtemps que je veux un sac jaune et le jaune est vachement beau. Et un bonnet jaune, j'ai demandé juste ce sac jaune sur ma liste. Et toute ma famille s'est dit on va lui foutre du jaune partout, j'adore. Le jaune c'est une des couleurs que je préfère en vêtements. Même que je préfère tout court d'ailleurs. Après j'en ai plus. Enfin, c'est très bien, j'en ai beaucoup. J'en ai eu beaucoup cette année. C'est une des années où j'ai eu plus de cadeaux d'ailleurs. Et ma soeur elle m'a acheté ces docks qui sont trop belles. Voilà, je les adore. Et du coup pour les personnes qui ont des gros mollets comme moi, donc il y a une fermeture éclair, mais ça peut se régler en fait au niveau des lacets. Alors j'ai pas encore essayé comme vous le voyez, mais normalement ce genre de bottes là elles me vont au mollet puisqu'on peut régler avec les lacets l'ouverture. Moi j'ai des gros mollets. Voilà. Donc voilà pour mes cadeaux. Demain on va faire le Noël de Ambre du coup. Et donc on a déjà installé tous ces cadeaux derrière ici avec sa robe de princesse. Et voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que cette série de Vlogmas vous a plu aussi. Et moi je vous retrouverai l'année prochaine. Je posterai pas de vidéo en fait avant le mois de janvier. Donc je vous redirai, je pense que ma première vidéo ce sera une FAQ parce que le contenu l'année prochaine, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, va changer. Donc du coup j'ouvrirai une boîte à questions vers la fin de l'année, début d'année, je pense certainement quand je serai dans le train, je sais pas, de retour, pour vous, que vous me posiez toutes vos questions sur le contenu à venir, comme ça je vous expliquerai tout bien dans une vidéo. Et ce sera certainement ma première vidéo de l'année, voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez me poser des questions ou être au courant un peu, parce que je vais pas poster sur YouTube, mais je continue à poster sur Instagram pendant, enfin jusqu'à la fin de l'année, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et moi je vous dis à bientôt, et bonne fête de fin d'année si on se revoit pas d'ici là.